Oh oh oh! Dans une vidéo spéciale du mois de décembre. J'espère que toutes les vidéos que je vous prépare pour ce mois-ci vous plairont. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt! Et coucou, bienvenue dans ce premier vlogmas. Et oui, à compter du 1er décembre, vous allez avoir des micro-vlogs tous les soirs, tout simplement pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Puisqu'au mois de décembre, on ne va pas avoir de gros vlogs, hormis un ou deux, je pense. Je vais faire beaucoup de créations scrapbooking. Puisqu'on me dit tout le temps, Charlène, ta chaîne avant était du scrap, maintenant elle fait de tout. Oui, puisque vous le savez, depuis déjà quelques années, je ne fais plus que du scrap sur ma chaîne, mais là pour ce mois de décembre j'ai décidé de vous mettre au max des créations fait main. Donc vous allez avoir 3 tutos d'albums, oui 3 tutos d'albums, vous allez avoir 2 décorations de Noël et après je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout ce qu'il va avoir, mais déjà 3 tutos d'albums en un mois. Oui, j'ai fait ma liste hier soir, clairement je vous envoie du lourd, mais voilà, j'avais envie de vous faire plaisir pour ce mois de décembre. Donc les vlogs, donc vlogmas, où il va avoir les calendriers de l'Avent et des fois de temps en temps ma journée complète, et ben ça sera le soir, soit à 20h, soit à 21h. Donc là c'est parti. Déjà je vais vous montrer. Le lutin farceur est arrivé hier dans la maison et regardez ce qu'il a fait. Voilà, il a enroulé, hop, le sapin de papier WC. Et oui, donc j'attends que Léna se réveille pour qu'elle le voie. Et je vais vous montrer. Du coup j'ai fait de la place de partout ici pour, hormis ici, mais tout ici là, pour mettre les calendriers de l'Avent, puisque j'ai reçu le calendrier de l'Avent de Betty et de ma copine Manon. D'ailleurs Manon elle est toujours proche de moi puisqu'on a notre photo toutes les deux ici. Donc je vais vous montrer où ils sont. Et d'ailleurs les petits ont leur calendrier de l'Avent ici avec celui du chien. Et il y a déjà 2 petits qu'ils en ont pris, puisque il y avait 6 grands, celui-là, celui-là et celui-là. Et du coup voilà, celui dessus c'est celui de Manon, c'est ce que je vais ouvrir maintenant. Et celui de dessous c'est celui de Betty. Donc là je vais les ouvrir juste pour vous dire mon ressenti. Et puis après je vous mets en accéléré, je vous montrerai où c'est que je mets tout simplement les tous les petits paquets. Et après on ouvrira le numéro 1. Comment vous dire que j'avais super hâte de découvrir le numéro 1. J'adore, donc vite que j'ouvre tout ça. Alors, bon, vous verrez sûrement, la cheminée est en route. Voilà, puisqu'on a fait rentrer le bois. Et j'ai changé mon salon de place. Voilà, j'avais envie. Allez, là, je vais ouvrir tout simplement celui de Manon. Juste pour vous donner, hop, pour vous montrer. Alors, je ne sais pas du tout. Voilà, il s'ouvre sur le côté. C'est mieux si je vous mets sur le bon côté. Je ne sais pas du tout les paquets, comment elle les a fait. Et après, de toute façon, je vais tout installer et on verra ensemble le premier. Il est à peu près 9h et les filles dorment toujours. Bon, franchement, trop contente. Vous voulez que je vous dise, ben, Léna, elle a dormi avec nous cette nuit. Donc, elle est dans mon lit. Donc juste je vous montre les petits paquets, donc hop, je vais pas les ouvrir, mais du coup le papier cadeau il est comme ceci, donc c'est tout très bien emballé. Donc je mets ça de côté et du coup je vous montre comment Betty elle l'a emballé. Bon, je vous le dis, Betty, il est super lourd. Hop. Celui de Manon aussi était très lourd. Alors celui de Betty, je vous explique même, et puis vive le scotch. Alors, oui, il est énorme. Alors, elle m'a dit qu'elle avait mis des petites cales. Hop, donc je vais enlever toutes les petites cales. Ouh. Elle m'a dit qu'il y avait plein de choses à découvrir avant. Je fais attention parce que j'ai mis une bougie. Alors déjà, ici, elle m'a mis des petites choses en plus. Donc tout ce que est en plus. Tout ce qui est en plus, vous savez quoi, je vais le mettre de côté et je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Mais du coup, voilà, regardez, il y a tout ça. Voilà, donc il y a pour tes filles, etc. Oh là là, regardez ce qu'il y a. Oh là 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 là, j'adore. Avec le petit paquet et tout. Bon bref, je mets tout ça de côté. Mais du coup, Betty, regardez, il y a plein de, comment dire, plein de couleurs et tout, papier cadeau. Oh là là, c'est sublime. Donc je déballe tout, je mets tout à la même place et du coup je vous montre ce que j'ai eu pour le premier.
Et voilà, du coup j'ai mis tout ce qui est de ma copine Manon. Regardez, regardez, regardez. Voilà, alors j'ai mis juste le 1 devant pour faire l'ouverture tout à l'heure. Mais du coup tout est rentré dans la case et dessous du coup je vais mettre Betty. Bon, je suis accompagnée de Léna, vous avez vu, elle a mangé un petit bonbon. J'ai tout mis ici, il y en a jusqu'à ici. Il y a tout ici et il y a tout ici. Sachant que des 25, il y en a 1, 2, je crois qu'il y en a 5. Mais j'ai tout ça en plus. Alors je vais m'asseoir par terre et je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a envoyé. Non mais là par contre Betty, je vais vraiment me fâcher. On s'était dit un calendrier de l'Avent. Elle m'a mis une tonne de plus et moi je ne lui ai pas mis de plus. Alors comment vous dire que je suis grave, grave, grave gênée puisqu'il y en a une tonne. Donc là déjà il y a pour mes pépettes. Donc ça je vais l'ouvrir une fois que Léna sera, une fois que Léna sera réveillée. Pour tes filles, donc ça, Léna, il lui en a fait plus qu'une. Elle adore, elle adore, elle adore, elle adore. Elle m'a mis un calendrier de l'Avent comme ça, de chocolat. Alors, je ne sais pas si c'est pour les petites ou si c'est pour moi. Je vais lui demander. Il y a une tonne de choses. Alors, bien sûr, toutes les petites choses comme ça, je pense que je vais en donner aussi à mes filles. Puisque je pense qu'elles vont, elles vont adorer. Je vais faire une boîte et on va tout mettre dans la salle de bain. Elle m'a mis ce masque. Alors, ça, c'est quoi? Céramique parfumée. Alors, ça, je ne connais pas. Ça je connais pas du tout, donc je vais tester. Elle m'a mis, alors ça, plus j'ai trop la dalle, je ne connais pas du tout ces petites barres là aux amandes et au chocolat. Donc elle m'a franchement, elle a mis plein de trucs. Oh, regardez la petite boîte, alors elle est rose en plus et il y a des chocolats à l'intérieur. Voilà. Bref, 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 elle m'a gâtée, gâtée. Elle m'a mis des Maltesers, mais là non, c'est pas possible. C'est pas possible Betty. Elle m'a mis des washi comme ceci. Ceci, c'est un carnet de reliure. Oh trop cool. Je vais vous l'ouvrir. Je vais vous l'ouvrir. Donc c'est un carnet comme ça à pois. Il est magnifique. Donc pour marquer toutes mes petites notes et tout, ça pour mon atelier. Ben, ça va aller tout droit sur mon atelier d'ailleurs. Donc un carnet de notes. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Oui, je... Mets-le là, je vais te... Elle me dit que son paquet est fini. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh là là, j'adore. C'est un tote bag, regardez. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. Oh là là, pour aller faire mon petit shopping ou des magasins. Oh, il est magnifique. Vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Oh. J'hallucine tellement qu'il est trop trop beau. Mais elle a fait des folies, vraiment. Je vais donner un Twix à Léna puisqu'il y avait un Twix également. Léna s'est levée avec les yeux tout collés. Donc je pense que ça annonce une conjonctivite. Et elle a découvert aussi le lutin farceur. Et là, bah c'est un pâté. Elle va rire parce que dans son colis, il y en a un. Il y en a deux même. À un certain moment du calendrier. Oui, garde-le. Elle me montre le lutin. Alors, j'arrive pas à ouvrir. Je pense que c'est un pâté qui est fait chez elle. Je vais le garder pour quand il va avoir Cédric ou Terrine de Périgord. Donc, ben ça, comment vous dire, nous, en plus, on adore les pâtés. Et il y a plein, 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 plein de choses. Elle m'a mis ce livre aussi, donc, pour les petites. Ici, hop, j'avais oublié un petit paquet. On va le rajouter ici. Elle m'a mis... pour mon chien, mais ça c'est pas trop mignon, même pour mon chien, elle m'a mis des sucres d'orge, c'est un crayon, c'est un crayon, je croyais que c'était un sucre d'orge à manger, mais c'est un crayon. Oh, oh je kiffe, je vais aller le tailler. Elle m'a mis, je tiens le carton comme ceci, comme je vous ai montré tout à l'heure, des petites bougies parfumées, voilà, donc trop trop contente. Puis à manger, il y en a, il y a ceci. Ici ça, je ne sais pas ce que c'est. Petite bougie à la vanille. Je suis désolée si vous entendez mon chien aboyer. Hop, j'avais oublié le 19.
également. Et après, je vais vous montrer sa petite carte. Ici, il y a quelque chose de très très bien emballé. Non, non, les bonbons, c'est après. Aïe. Elle a le calendrier d'avant à attaquer. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas pris de ciseaux avec moi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il n'y avait pas de chiffres, donc je présume que je pouvais... Ouais, je pouvais l'ouvrir maintenant. Je suis une diva, regardez. Alors ça, je vais le mettre sur mon bureau pour mettre toutes les petites choses qu'on ne sait pas où mettre. Oh là là, je suis une diva. Je kiffe, franchement, je kiffe. Je sais pas où elle allait prendre toutes ses idées. En tout cas, des bonbons, il y a plein de paquets. Il y en a plein. Il y a, alors là, il y a quelque chose. Là, il y a des chocolats. Oh, il y en a vraiment tout plein. Il y a plein de chocolats encore ici. Regardez ça, je l'ai vu tout à l'heure. C'est des mouchoirs de Noël. Ici, nous avons je pense que c'est des lingettes. Voilà, comme ceci. Ici, bon, Léna m'a déjà pris le paquet de mouchoirs. Tu l'as vu pas? Hop, ici. Ça, ça va en haut, vous voyez. J'en avais oublié. Alors, attendez, il y en a encore. Alors, juste, je vous montre, il y a plein de chocolats. Ici, il y a du Toblerone. Ça, je kiffe ça. Ici, on a un petit gel comme ça de Kiko. On a regardé des petits chocolats en boule de Noël. Clairement, je ne vais pas tout manger. Moi, je vous le dis direct. Les filles vont m'aider à en manger et les garçons également. Nous avons encore des bonbons ici. Léna me prend tout. Regardez ce petit stylo. Coucou. Il est trop beau. Ouais, elle vous dit coucou. Avec le... Allez, hop. Je kiffe, il est magnifique. Donc pour mes filles, elle m'a mis ceci également. Donc ça, je vais le mettre de côté. Il y a des petites cartes Christmas qui sont à l'intérieur. Des chouchous, parce que les chouchous, c'est la vie. J'en ai un dans les cheveux. Et elle m'a mis ceci. Alors ceci, c'est un stylo plus l'élastique porte-stylo. Ça, je kiffe. J'adore. Et là, il y a un petit paquet également. Alors ça, j'étais au courant puisque elle m'en avait parlé. Alors je suis trop heureuse. Alors, en tout cas, c'est très, très, très bien emballé. Oh là là, j'adore. Regardez, elle a fait un décapsulaire. Elle est marquée CC. Oui, c'est le surnom de Cédric. Alors ça, je pense qu'il va l'emporter dans ses valises, entre guillemets. Alors, je fais attention à ce que je dis. Vraiment, merci, merci, merci. Donc, c'est tout eux qui ont fait. Franchement, merci beaucoup. J'adore. Donc ça, c'est tous les plus... En plus, qu'elle m'a mis. Et du coup, je vais ouvrir la carte avec le Merry Christmas ici. Non, tu laisses ici. Et on va découvrir du coup sa carte. Et son menu. Alors le menu numéro 1, il est là-haut. Donc je sais pas si vous l'aurez vu. Alors déjà, oh, elle est trop belle. Elle est trop canon. Franchement, alors je vais lire son mot. Merci beaucoup Betty, tu sais ce que je pense de toi, hein. On va pas s'étaler sur YouTube puisque ça ne regarde que nous, mais moi aussi, tout ce que tu as dit, c'est exactement ça. Je veux pas rentrer dans les détails, mais parce qu'il y en a beaucoup qui adoreraient, mais non, je ne dirai pas. Mais voilà, merci. Et je vous montre sa carte, en fait elle s'ouvrait comme ceci, voilà, tout simplement. Alors je ne sais pas si elle a fait du tout en tuto, du coup voilà, moi aussi j'étais super stressée, mais vraiment énormément. Elle a même décoré le menu. J'adore, je kiffe. Moi, j'ai pas décoré du tout le menu puisque c'était la première fois depuis très longtemps que je faisais un menu. Donc, le menu du calendrier de l'Avent 2023. Donc, le 1, fragile. Elle ne sert pas que à boire. Alors, je vais prendre le numéro 1. Et en même temps, j'ai pris aussi celui de ma copine. Donc, le numéro 1 se présente comme ceci. Et on va ouvrir, en tout cas, les papiers cadeaux. Trop canon. Vraiment, trop canon. Enveloppé et c'est énorme. Ça ne sert pas qu'à boire. Je sais pas. Bon, par contre, il va falloir que je prenne des ciseaux dorénavant parce qu'ils sont super bien scotchés. Ça ne sert pas. Je pense que c'est une bouteille. Je pense. Oh, qu'elle est belle. Oh, elle est sublime. Alors, c'est une bouteille. Ils disent une bouteille de quoi? Elle est trop canon. Alors, il faut... Hop, est-ce qu'il y a une pile déjà dedans? Hop. Quoi? Oh là là, j'adore.
C'est une bouteille qui fait lampe. Regardez, elle est trop belle. Trop trop belle. Je vais la mettre, je pense, sur ma table de salle à manger. Elle est canon, canon. Donc c'est cette marque-ci. Voilà, elle est trop 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 belle. Elle est magnifique. Alors notre thème, nous, il n'est pas uniquement sur le scrap. On avait dit pour nous, la beauté, etc. Donc merci beaucoup Betty déjà pour tout ce que tu m'as envoyé en plus. Vraiment, c'est un truc de fou. Alors clairement, tout ce qui est chocolat et tout, je vais faire une grosse boîte et tous les loulous vont en manger également. Je vais pas tout garder pour moi, mais merci du fond du cœur. Et ceci va aller tout droit sur ma table de salle à manger. Comme ça, le soir, hop, j'appuierai juste ici. Avec les ongles, je galère, hop, et je pourrai l'allumer. Elle est sublime. Donc merci, merci, merci. Et là, je vais ouvrir celui de ma copine Manon. Alors, ici. Oh, c'est trop mignon. C'est un petit pot de Nutella. Je n'ai pas encore déjeuné. Franchement, ça, je kiffe. En plus, je sais pas vous, mais les petits pots de Nutella comme ça, ils sont trop, 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 trop bons. Donc, c'est pareil, je vais le mettre de côté. Donc, merci beaucoup. Et du coup, maintenant, je vais prendre celui de Ava Aimé. On va découvrir la numéro 1. Alors, j'ai pris le calendrier d'avant et on va prendre la boîte numéro 1 qui est ici. Alors, ça va être une petite bougie. Hop, on va découvrir la petite bougie. Donc c'est la Germanie. Elle sent trop bon celle-ci. Comme ceci. Oh, elle sent trop bon. Oh, c'est une tuerie. Elle sent trop 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 bon. Donc premier calendrier de l'Avent. Que vous dire, voilà, je me languissais trop. Ma fille mange des chocolats. Elle arrête pas de manger des chocolats. Tu vas avoir bobo au ventre. Vraiment, je me languissais trop. Je suis trop contente. Et voilà, des magnifiques cadeaux que j'ai déjà reçus avant même d'ouvrir tout le calendrier de l'Avent. Merci, mais j'en mangerai pas maintenant. J'en mangerai tout à l'heure. Elle va donner le petit chocolat. Merci beaucoup Betty. Merci beaucoup Manon. Et Ava Aimé, franchement, trop beau. Et je viens de voir qu'en ouvrant la boîte, Léna a sorti ceci. Voilà, je ne l'avais pas vu. Donc des petites boucles d'oreilles spéciales Noël. Elles sont trop choupinou. Franchement, je suis gâtée. J'espère juste que Betty ne sera pas déçue vraiment, parce que moi, je n'ai pas fait tout ça à côté. Je suis trop contente. Ben écoutez, moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo Vlogmas, puisque comme je vous ai dit, certaines journées, vous aurez que l'ouverture du calendrier de l'Avent, et certaines journées, vous aurez toute ma journée. Mais aujourd'hui, c'était que l'ouverture de calendrier de l'Avent, puisque je vous ai montré tout en petit détail tous les petits calendriers de l'Avent. Et je veux pas que les Vlogmas durent trop longtemps. Moi, je vous dis à demain soir 20h-21h pour le Vlogmas numéro 2. Je vous fais des bisous.